Hey, bonjour! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ah non, What? ça va pas le faire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Overwatch. Ouais. That's not English. Ta gueule! Pardon. On va le couper de son pour éviter qu'il nous dérange dans la vidéo. Donc, nouvelle vidéo. Sur Overwatch, je l'ai déjà dit, avec le test du nouveau héros Orisa. Donc Orisa qui est un tout nouveau héros que j'utilise en défense. Donc voilà, présentation du... Je prévois de faire une petite série Overwatch où je vous présente tous les différents. Les attaquants arrivent. Ok. Donc, je joue sur PS4 Slim. Et voilà. Alors... petite attention. Ah, ça c'est drôle, ouais. Donc, Orisa elle a plusieurs capacités. Elle peut déjà tirer en rafale avec R2. Ensuite, recharger avec carré. Ça, je pense que vous savez. Elle peut mettre un pied avec R1. What? Là, déjà. Ça va plutôt bien. Elle a un blindage qui, je crois, fait 25% de moins aux dégâts que tu prends. Plutôt bien. J'ai pas envie de crever sur un... Ah, elle a aussi une affaire qui, que tu vas lancer qui va attirer les ennemis tous à un même point en fait. Donc c'est plutôt sympathique. J'aime beaucoup. Je ne suis pas prête à être. Ensuite, ouais, tu peux donc poser un bouclier qui a 900 points de vie, donc il se casse assez vite, mais ça peut faire la différence à des moments, ce bouclier. Elle a un temps de rechargement, je trouve, assez élevé, mais elle a quand même une cadence de tir assez énorme. Enfin, une cadence de tir vraiment bien. Voilà, tu vous attires là-bas. Aïe, aïe. Là, en fait, elle fait les mêmes dégâts que Soldat 76, sauf que ces dégâts-là sont mis sur un tank. C'est vraiment super cheaté. C'est un héros très très bon qu'il faut savoir jouer. Bon, là, ça dépend des games. Il y a des games où je suis vraiment bon, je défonce tout. Elle revient en arrière. Hop là, let's go, on va utiliser ça. Ah non, sérieux. Est-ce qu'il y en a pas qui pourraient venir m'aider? C'est plutôt bien, je pense. De toute façon, je vais tout trouver, voilà. Là, j'ai mon ulti, donc ça va être l'occasion de vous montrer un peu. Je vous montre... Je fais pas une présentation des héros dans un entraînement, dans une truc de tir. Parce que tu vois pas vraiment comment le héros se débrouille en combat. Voilà. Et donc je te le montre en game directement. Et donc là, on va mettre ça ici. On va pouvoir... Tu vois ça, en fait, ça booste les attaques. Désolé pour le fichage. Hop là, hop là, prends les dégâts. Mettre mon blindage, boost un blindage de 4 secondes qui réduit pas mal de dégâts. Aïe aïe. J'ai chié un peu la maille avec ça. Désir tactique activé. Ça là. Hop là, il est mort. On va faire reculer un peu le convoi. Une game qui était ratée, mais c'est bien rattrapé. Ok, on se protège parce que, au cas où vous ne saviez pas l'ulti de Diva, et bien vous pouvez vous protéger si vous êtes derrière. Sérieux, voilà, n'oubliez pas. Prendre de l'armure. Je pense que c'est pas vraiment. Ah, ok, son pote dans le mur. Ah là, ils sont pas bons, hein. Derrière toi. Place au
justice. What? Voilà, là, je commence à avoir du monde. Voilà. On se tirait de là. Je suis en merde. Voilà. Bon, c'est un peu chaud. Là, à gauche, il y a... On voit l'avance. Il y a comme un mur entre nous. Faut vraiment buter ces ennemis. Non ! Elle a mis son ulti très bien mis, son petit ulti à la maille. Alors... Bon, je suis désolé si je parle pas trop parce que je suis quand même assez concentré, mais comme ça vous pouvez voir un peu les caractéristiques d'Orisa, donc qui ne se déplace pas très vite. Elle a du recul comme en fait Diva, alors quand elle va partir, elle a... Elle recule en fait. Il y a un petit bonhomme ici, on va tous les attirer par là-bas. Ah yo, je suis tout seul. Ok, ah, elle fait chier avec son mur, elle là. Ah, Zenyatta, je trouve qu'il est vraiment trop trop fort. Il y a trop de puissance, en fait, il devrait être aussi. Tu es dans ma ligne de mire. Ouais, il m'a tué un 3 boules. C'est un peu bizarre, hein, comme ça, mais. Ah! Oh, attends, on voit les. On voit les pieds d'Orisa. C'est trop bien. Parce que les autres héros, on ne les voit pas. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais sur les autres héros, on ne voit jamais leurs pieds. Voilà. Petite astuce, c'est offert. C'est cadeau, c'est la maison. Je vais chez. Squaaaaaah! Bon, cette game est perdue. Là, on s'entend que cette game est vraiment perdue. J'aurais bien changé de héros pour un petit soldat, mais je reste dans le thème avec Orisa, voilà. Et là, un peu. Cette fois. What? Caché. Hop là. C'est quoi elle fait sérieusement? Tu es dans ma ligne de mire. Let's go. 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Non, 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 faut pas, faut pas. Allez, c'est bon, on commence à amputer. Voilà. Oh. Passe par en haut. What? Est-ce qu'elle est morte? Serait-elle morte? What? Stiki! Comment il m'a tué? Sérieux? Ouais, c'est une défaite. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Overwatch, une défaite malheureusement, avec Orisa pour voir un peu ses petites caractéristiques, comment elle était en jeu. Donc certes, je ne la joue pas bien, mais c'est le début d'une nouvelle série que j'espère tu vas aimer. Donc on va tester plusieurs héros Overwatch, on va tous se les faire. Même le nouveau héros qui devrait sortir dans 40... Ouais, je pense qu'il y a un nouveau héros qui va sortir la saison prochaine, c'est toujours comme ça. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à poser un petit j'aime. Et on va se quitter par ma montée de niveau. Voilà, pas mon montée de niveau. J'espère que ça t'aura plu, bye.